Bonjour à tous, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur du pilates. Donc on ne peut pas faire les trois quarts d'heure de pilates. Donc ce que j'ai fait un petit échauffement pour mettre le corps en condition. Et puis après j'ai enchaîné six mouvements. Donc à vous de mettre des pauses sur votre vidéo, le temps de faire les nombres de répétitions. À chaque fois, dans un premier temps, faites 5 fois chaque mouvement, puis demain ou après-demain 6, puis 7, puis 8. Voilà. Bon cours! Les deux et on monte sur les deux doucement et on relâche. Si vous manquez d'équilibre avec les bras et relâche, monte sans monter vos épaules, hein, descendez les épaules, les bras pas complètement sur les côtés, légèrement vers l'avant. Encore, monte. Toujours les pieds parallèles. Et relâche. Amenez les mains sur les côtes. On vient pousser dans ses mains. Inspire et resserre. Essayez de souffler par la gorge comme si vous faisiez de la buée sur un miroir ou une fenêtre. Inspire. Ouvre la cage thoracique. Encore 3 fois. Essayez d'inspirer au maximum. Suivez votre cadence. Hein. S'il n'y en a pas 5, c'est pas grave. Et là.
à chaque fois que vous aurez inspiré, pensez toujours ouverture en largeur de la cage thoracique et resserre et souffle par la gorge. On vient mettre les mains au niveau du pelvien. On inspire. Et sur l'expire, on rentre le nombril. On rentre la première boîte. On inspire, on ouvre la cage thoracique. Et on rentre le nombril. On engage la deuxième boîte. On inspire. On rentre le nombril. Et comme si on remontait une fermeture éclair. On rentre le ventre, on remonte le périnée. À votre rythme. Inspire. Élargis la cage thoracique. Expire. La gorge, le nombril et le périnée qui se remontent. Troisième boîte. Inspire, le nombril, le périnée et on serre au niveau du rectum. Les trois boîtes ensemble, inspire et serre. Nombril, périnée, rectum. Montez les bras. Lâchez, relâchez que la tête sans engager les bras. Inspire. Lâchez, pliez un peu les genoux, laissez le dos s'enrouler, soufflez. Déroulez le dos, le bas du dos, le milieu du dos, remontez. Replacez les épaules. Notre mise en route est terminée, on passe au sol. Premier exercice, les pieds parallèles, largeur du bassin. On cherche à se mettre sur les petits os. Ischions. On va mettre les mains ici. On baisse bien ses épaules. Hein. On ne remonte pas les épaules. On ne remonte pas les épaules. On sort la tête des épaules. Et là, vous allez inspirer sans bouger. Expire par la gorge. Rentre le nombril. Inspirez sans bouger. Et remontez. Inspirez sans bouger, enroule, bloquez, inspirez et c'était le numéro 1, le roll-up, enroulement de la colonne. Essayez de me le faire 5 fois. Mouvement numéro 2, on vient s'allonger au sol. On ramène un peu les jambes, on va plier la jambe droite, on la met en chaise inversée, cheville, genou, genou, hanche. On baisse bien ses épaules, on inspire, et sur l'expire, on va venir tendre sa jambe, aligner les deux cuisses, inspire, on revient, expire, on tend. Inspire, on revient. Expire, on tend. Et on va faire 5 fois sur cette jambe. Puis, même chose, 5 fois l'autre jambe. Essayez quand vous tendez d'aller chercher la pointe de pied, le genou, et d'aligner vos cuisses. Pas de pied vers le plafond, ni au ras du sol. L'alignement des cuisses est important. Ça, c'est le mouvement numéro 2. Le single leg stretch. On allonge la jambe. Mouvement numéro 3. Abdominaux. On garde les pieds au sol. On va mettre les mains de chaque côté du buste. On descend ses épaules. On inspire. Et sur l'expire, on fait des petits rebonds avec les mains. Les bras très tendus. Et on souffle. On inspire, on continue ces mouvements et on souffle. Vous allez faire 5 cycles respiratoires sans pause avec les mains qui continuent leur petit mouvement de rebond. On cherche la longueur dans les bras.
Si vous trouvez ça facile avec les jambes au sol, vous pouvez faire exactement la même chose avec les jambes en chaise inversée. Toujours en gardant d'abord la tête au sol. 5 cycles respiratoires, c'était le troisième mouvement. Quatrième mouvement, on va mettre une seule jambe en chaise inversée et on va mettre les bras, les mains face à face dans l'alignement des épaules. On inspire, on va expirer, on va amener les bras derrière. On inspire en ramenant les bras et on expire. Vous devez avoir votre regard qui regarde vos mains et quand vous partez les mains vers l'arrière, vous devez toujours voir vos mains. On ne descend pas jusqu'au sol. Et à chaque fois que vous descendez les mains, vous devez serrer le ventre, rentrer le nombril, remonter le périnée, contracter les trois boîtes. Vous le ferez 5 fois avec la jambe droite, puis 5 fois avec la jambe gauche. Je vous le remontre une fois. On inspire, on expire. On inspire, on regarde ses mains, on serre les trois boîtes, on va au bout de l'expiration. Et on relâche. C'était le double leg stretch. On combine une jambe avec les bras. C'était le numéro 4. Le numéro 5, vous allez passer sur le ventre. Les deux mains l'une sur l'autre. Vous allez mettre votre tête sur vos mains. Et là, le but, ça va être de monter sa jambe sans le plier le genou. Gardez les jambes bien tendues, tête au sol. On inspire. Alors, je lève la tête pour que vous puissiez voir la respiration. Et sur l'expire, on inspire, on descend. Et c'est lent. On inspire, on descend. On serre les boîtes. Alors, vous aurez la tête au sol. Et le but, c'est d'en faire au moins 5 de chaque jambe. C'est le swimming pool allongé. D'accord? Alternez à chaque fois, une fois la jambe droite. Et une fois la jambe gauche. À chaque montée, pensez à bien souffler par la gorge. Serrez les boîtes, rentrez le nombril. Et voilà. Ok? 5 de chaque jambe. Ou alors, si vous voulez faire durer un plaisir, 6, 7 ou 8. Ne dépassez pas les 8 au début. D'accord? Le mouvement suivant, c'est le dernier, c'est le 6e. On va se mettre en position de sphinx. On pose ses coudes. Paume de main posée au sol. On va déjà pas s'écraser ici. Il faut repousser vos coudes, regarder devant vous, essayez d'allonger votre nuque ici. On inspire et sur l'expire, on va rentrer le nombril, décoller le pubis. On redescend, on inspire, on se grandit et on inspire et on souffle. On rentre légèrement son dos, on arrondit un petit peu son dos, on repousse bien le sol. Ne le faites pas avec les fesses qui repartent, hein. On est sur vraiment le bas des cuisses. Et pareil, vous le ferez 5 ou 6 fois. 7 ou 8 si vous faites le cours plusieurs fois. Puis vous viendrez amener les mains ici, vous rapprochez, vous étirez le dos. Vous passez sur les mains, vous faites le chat, dos rond, puis
3 ou 4 fois, vous retournez les pieds, vous ramenez, vous posez les talons, vous relâchez le cou, vous relâchez les épaules, puis si vous pouvez, vous tendez les jambes et vous remontez doucement. Vous replacez les épaules. Et voilà pour le premier cours de Pilates. 6 mouvements. Le but, c'est de les faire au moins 5 fois. Puis, si vous recommencez le même cours, essayez 6, puis 7, puis 8. Voilà, bonne continuation.